Salut tout le monde, c'est Tintin. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur le Saumur S35 qui est juste derrière moi. Alors qui c'est qui fait ça? Ah bah tiens, salut toi. What? Ok, c'est commence mal. Bon, il vous faut de la pierre taillée, des escaliers en pierre taillée, des dalles en pierre, des escaliers en pierre, de l'argile durcie cyan, il vous faut encore quoi, des rails, des trappes en bois, non, de l'argile, des crochets, des dalles en briques du nether, des trappes c'est pris. Des fils, qui dit fil dit carpet, des portillons, un bloc musical et des boutons, sans oublier les coffres. Alors vous avez posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez espacer de 3 et vous allez remplacer 10 blocs de pierre taillée. Ensuite, de chaque côté, vous allez faire comme ceci. Ensuite, vous allez mettre 3 rangées de dalles au milieu. À l'arrière, vous allez mettre 3 blocs. À l'avant, vous allez faire de même. Vous allez rajouter une ligne. Rajouter 5 dalles. Et 2 trappes au-dessus de vos escaliers. Ensuite, vous allez faire pareil, vous allez poser un bloc, 2. Vous allez prendre votre bloc musical, vous allez le placer ici. Un escalier comme ceci. On sneak, ou alors vous visez là. Et vous placez votre bloc. Et celui-ci comme ceci. Et celui-là comme ça. Après, vous allez replacer une carpette grise là-haut. Ensuite, vous allez placer 4 blocs de chaque côté. Vous allez ensuite mettre 4 dalles. 3 ici. Et des trappes au-dessus de vos escaliers. Ensuite, vous allez boucher le tout ici. Vous allez casser ces dalles-là temporairement pour pouvoir faire ceci. Vous avez posé vous avez posé des blocs au pif, de la dirt, je sais pas ce que vous voulez, et vous allez faire ceci. Vous avez placé 5 rails dans ce sens et 5 dans l'autre. Vous allez casser cela, remettre vos dalles et casser ceux du milieu. Si vous voulez, vous pouvez même le faire ici. Ouais, ça pourrait le faire. Attendez, j'essaye. Ça va être chaud. Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais. Bref, ça va être dur. Aïe, 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 aïe.
oui, ce tuto, excusez-moi du mot, enfin, bref, vous allez faire comme ceci, casser cela ici, ouais, ouais bah, pas grave, vous allez rajouter, bref, vous allez remettre un bloc. Ici d'ailleurs, il y en a même un qui vient ici, mais ça fait moche. Bref, on s'en fout. Ensuite, donc alors, on va s'occuper de l'intérieur. Ici, vous allez reboucher. Quoique, non, pas ici, mais un bloc derrière. Ici, vous avez deux échelles. Sur le côté, vous allez mettre les deux coffres, torche de redstone juste au-dessus, comme d'habitude. Deux sièges ici. Votre bouton sur le bloc musical. Vos portillons juste là. Donc alors nous venons de faire l'intérieur, je vois un petit peu à la va-vite, bref c'est pas grave. Ensuite, vous allez reprendre vos blocs d'argile durcissant, vous allez en mettre un lot, on trappe juste derrière, un bloc juste là, un ici. Juste ici, enfin un escalier, pardon. Ici, vous allez laisser le trou, ça va être normal. Vous allez rajouter ici deux blocs là, et ici, vous allez refermer comme ça, celui-ci ainsi. Ah bon, et d'où j'avais fait ce machin moche? Bref, ensuite, vous allez rajouter. Qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui? Bon, c'est pas grave. Du moment qu'il gêne pas. Bref. Ici, sur ce bloc, vous allez rajouter une échelle. Et, pour finir, une petite... Zut, trappe. Voilà. Non, c'est pas encore fini au niveau du char. Vous allez placer un fil ici et une carpette. Et vous allez faire de même ici. On rajoute un fil et une carpette. Ensuite, vous allez mettre 1, 2, 3 murets. Normalement, il ne manque plus que les crochets à mettre et ce sera bon. Normalement. Alors, vous mettez un crochet ici. Vous espacez de 1, vous le mettez ici. Et à l'arrière, juste au milieu, c'est-à-dire ici, normalement, si vous vous êtes pas fail, c'est bon. Vous mettez votre petit crochet. Ah mince. Vous n'avez rien vu. C'est bon, normalement. Ah non. Ensuite, sur ce côté-là, vous allez rajouter une trappe. Et je crois que c'est tout. Je crois bien, alors, s'il n'y a pas de dalle entre les blocs du bas, c'est normal parce que... Merci Marsanko, ça fait toujours plaisir. Bon, alors sur ce, bye les amis, je vous laisse. Bye!